Bonjour à tous, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Que la Trinité divine, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, vous accorde sa bénédiction, sa protection et vous libère de tout mal. Aujourd'hui, nous nous préparons à réciter la prière la plus sacrée et la plus puissante. Celle enseignée par Jésus lui-même, le Notre Père. Cette prière établit un lien profond entre nous et le divin, a le pouvoir d'influencer les cieux et agit comme un bouclier protecteur pour nous. Elle assure que la volonté de Dieu est réalisée dans nos vies. Lorsque nous prononçons le Notre Père, des forces célestes interviennent en notre faveur, répondant à nos besoins et désirs. Je vous invite à partager vos noms et ceux de vos proches en commentaire afin qu'ils reçoivent aussi les bénédictions de Notre Père. Le Notre Père est souvent décrit comme la prière parfaite car elle a été directement enseignée par Jésus, que vous pouvez trouver dans le livre de Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 13. Pendant cette prière, je vous invite à tenir un verre d'eau, symbolisant votre réceptivité aux bénédictions divines. Cette eau, chargée de mystères et de révélations, joue un rôle significatif dans ce processus. Je vous encourage à dédier 7 jours consécutifs à la récitation de cette prière, permettant à son pouvoir transformateur de se manifester dans votre vie. Intégrez-la dans votre routine quotidienne, matin et soir, et vous observerez son influence positive sur votre santé et vos luttes contre l'insomnie, la dépression et l'anxiété. Ayez toujours un verre d'eau à proximité pendant cette prière. En 7 jours, vous constaterez des changements notables dans votre bien-être. Partagez cette eau bénie avec votre famille. De plus, je vous demande de soutenir cette prière en l'aimant et en vous abonnant à notre chaîne, contribuant ainsi à sa diffusion. Rejoignez notre communauté spirituelle en ligne pour une connexion authentique avec le divin. Unissons-nous maintenant pour réciter le Notre Père. Vous pouvez répéter les mots à haute voix ou les méditer dans votre esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Alors que nous invoquons la présence et la bénédiction de Dieu à travers cette prière, je demande que votre eau soit infusée de puissance divine, devenant une source de guérison et de paix. Que cette eau, consommée de jour comme de nuit, renforce votre foi, votre santé et votre énergie. Je suis convaincu que cette prière atteint ceux qui sont destinés à recevoir de grandes bénédictions. Affirmez votre croyance en disant « Je crois ». Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui, demain et pour toujours. Prononcez votre Amen et attendez-vous à des changements remarquables dans votre vie. Partagez cette prière avec vos proches et observez les œuvres puissantes de Dieu se manifester. Que Dieu vous bénisse abondamment.